Hey yo les gens, c'est Razone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour cette vidéo les abonnés, je suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Talcano. Du grand Talcano. Voilà, il est juste en face de moi. Bon, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo ensemble. D'ailleurs, bah on en a fait une tout à l'heure qui sortira demain je crois sur ta chaîne également. Ouais, ça va sortir, non ça sort ce week-end. Ça sort ce week-end, ok, bon ouais, bah, ce week-end, allez tous sur la chaîne de Talcano ce week-end pour aller voir la vidéo qu'on a faite, bah deux tout simplement, qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, les amis, on va tout simplement essayer de torturer des monstres. Donc j'en dis pas plus, voilà, vous découvrirez ça dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout d'ailleurs. Mais voilà, ça va être super fun, vous allez voir, et aussi peut-être dangereux, hein, qui sait, on sait pas. Du coup voilà, avant que cette vidéo ne commence, abonne-toi, voilà, comme c'est écrit juste ici sur le mur, et n'hésite pas aussi à activer la petite cloche des notifications. Comme ça on va tout droit vers les 180 000 abonnés, voilà, c'est super important, donc je compte sur vous. Et n'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu pour la venue de Talcano dans cette vidéo. Si allez-y, on pourrait atteindre... lâchez des pouces bleus les gars. En vrai, combien de pouces bleus Talcano? 2000, t'es chaud? 2000, ouais, oh, non, c'est chaud, hein. Je pense voilà, 1000. Ah, 1500 pouces bleus. 1500 parce que je suis là. Vas-y, 1500 pouces bleus, les abonnés. Voilà, je compte sur vous. Du coup, mettez un petit pouce bleu. C'est super important. Oh, attends, par contre, je reçois un appel, Talcano. Ah, allô? Vas-y. Allô? Allô? Ouais, ouais, c'est qui? C'est le chef de l'entreprise de la dernière fois. De quoi? Mais quelle entreprise, monsieur? Je sais pas, vous êtes qui? Ouais, l'usine, l'usine. L'usine, quelle usine? Celle avec les monstres. Oh, l'observatoire! Oui, c'est ça. Oh, mais what? Mais pourquoi vous m'appelez? Et d'ailleurs, vous, là, vous êtes parti comme un lâche l'autre fois, là. Pourquoi vous avez fait ça, en vrai? Oh, c'est long à expliquer, mais j'ai encore besoin que vous veniez. De quoi? Mais non, je reviendrai plus, c'est mort. Attendez, l'autre fois, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo, les abonnés, mais on s'était tout simplement transformé en monstre, et en gros, il nous avait laissé là-bas, et avec l'apparence de je sais plus quel monstre. Donc, du coup, non, c'est mort, je reviendrai pas, monsieur. Oh, j'ai peut-être quelque chose pour vous si vous venez. Vous avez quoi pour nous? Oh, vous allez voir une fois que vous allez venir. Venez dans le trou au niveau de la rue. Wesh, ok. Bon, bah je vais en parler avec mon ami et je vais y réfléchir, mais je sais pas, hein, franchement. Ok, c'est bon, j'ai raccroché du coup. Ouais, franchement, je sais pas du tout si j'y vais ou pas, les abonnés. Par contre, je sais pas où il est parti, Talcano, là. Talcano, t'es là? Voilà, réserve dans la cave, mais c'est quoi? Il y a des bouteilles, wesh. Wesh, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait dans ma cave? What? Attendez, 1961. Ah ouais, t'es carrément parti dans la cave du coup. Ouais, regarde, il y a des anciennes bouteilles et tout. Ouais, t'as des bouteilles, hein, tu te mets bien. Ouais, d'ailleurs, faudrait qu'on en ouvre une un jour en vrai. Hein. Un de ces quatre, le week-end prochain si tu veux. Hein. Bah vas-y, week-end prochain. Le 30, le 30, bon, on va pas abuser par contre sur l'alcool. Hein. Voilà, c'est à consommer avec modération, bien évidemment, les abonnés. D'ailleurs, vous n'en buvez pas, hein. Vous êtes trop jeune pour en boire. Mais du coup, Talcano, j'ai un truc à te dire là. En gros, j'ai reçu un appel, tu vois, l'autre fois, j'avais été à l'observatoire. Je sais pas si tu vois dans la ville là-bas. Là. Il y a une grosse boule là-bas. Ah ouais, l'observatoire de la ville, bien sûr. Et du coup, en fait, il y avait un mec qui m'a ramené là-bas. Apparemment c'était le directeur de l'observatoire et tout, et en gros il m'a proposé de me transformer en monstre et tout, j'ai accepté, et du coup là il m'a rappelé, donc je sais pas du tout pourquoi. Voilà, ça m'intrigue de ouf. Ouais, et, si t'es chaud, attends, tu vas pas me ramener dans un de tes plans foireux là encore? Bah franchement, c'est pour ça que je te demande avant, parce que je sais pas du tout si c'est un plan foireux ou pas, hein, vraiment. Genre ouais, je le sens comme mal. Tu veux. Histoire, comme je tu sens veux. Mal, je le sens mal. Non, en vrai ça devrait aller, enfin c'est pas un mec méchant ou quoi, mais c'est juste il fait des trucs bizarres avec les monstres. Et du coup alors on sera peut-être en danger, mais normalement ça devrait le faire. Mais c'est comme tu veux après, hein. Ok, bon vas-y, je suis chaud, on en va voir. Mais par contre si ça sent mauvais, je me casse. Ouais, de toute manière voilà, on va regarder comment s'échapper avant de avant d'y aller. Ouais. Ok, bon c'est parti du coup les abonnés, on va y aller. Si je me souviens bien au téléphone, il m'a dit que c'était le trou juste au bout de ma rue, mais je vois pas où il y a un trou. Le trou au bout de ta rue, attends, c'est quoi cette histoire? Ouais non mais il y a un énorme trou. Ah oui, je le connais. Attends, attends, je crois que je l'ai déjà vu aussi. C'est le trou là-bas, c'était le trou de Lucas à l'époque. Ok, c'est juste là du coup. Ouais. Okay, mais regardez, il y a plein de plots et tout. Je crois pas qu'on a le droit d'y aller en vrai. Non, t'as pas trop le droit, mais viens, l'entrée elle est par là-bas, viens. Ok, ouais, il y a une échelle, j'ai vu là-bas. Franchement, ouais, j'ai l'impression que c'est un plan foireux, les abonnés. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un plan foireux. Mais, ah ouais, clairement, il y a un passage. Ouais, mais on peut pas rentrer là. Ah ouais, il faut y aller doucement en vrai. Hop là. Ça t'électrocute et tout. Hop, ok, c'est bon, on a passé le passage du coup.
Ah ouais, mais il y a une maison sous l'eau carrément. C'est quoi ce délire, wesh? Attends, okay, c'est grave bizarre. Ah, mais c'était la maison de Lucas, du coup, je pense, ouais, vu qu'il arrive vas-y. À respirer sous l'eau et tout. Ok, bon, c'est parti, du coup, les abonnés, on va y aller. Bon, normalement, ils devraient être là, hein. Bon, j'espère que c'est pas un peu foiré, hein, vraiment. Hop, ok. Ah ouais, toi, t'ouvres les portes comme ça et tout, t'as pas le temps. Ok, what? Mais c'est qui lui? Wesh! Enfin, vous arrivez. Ouais, ça sent le plan foireux, ça sent le plan foireux. Oula, oula, t'as le cadeau. Attends. Parce qu'il a la même voix que le directeur de l'autre fois. Mais vous ressemblez plus du tout à la même chose là. Vous arrivez quoi là? Bah, j'ai eu une petite expérience un peu foireuse. What? Mais regardez sa tête. Oh, vous avez plus de cheveux, vous avez plus rien, monsieur là. Ok, vous êtes défiguré clairement. Mais il faut arrêter les expériences bizarres, monsieur. D'ailleurs, c'est pour ça que vous nous ramenez ici, là, du coup. Bon, Talcado, il est vraiment parti, je crois. Okay. Je crois qu'il a abandonné. Raiden, remonte, allez, on se casse, là. Moi, non, Talcado, vas-y, viens, t'inquiète, il est gentil, t'inquiète. Il parle tranquille. Ouais, vas-y, redescends. Hop. Mais du coup, pourquoi vous nous ramenez ici, aujourd'hui, monsieur? Vous allez pouvoir me suivre. La dernière fois, je vous ai un peu torturé, alors vous allez pouvoir être récompensé, pardon. Ok, ça marche. Bon, ouais, par contre, pas de flanc foireux comme l'autre fois, hein. Oh, ça ira, vous avez pas de flan foireux, hein. Ouais, non, de plan. Pas de flan foireux, monsieur. Hein. J'ai que des tartes. Hop, on vous suit, du coup. Ok, bon, par contre, reste sur tes gardes, hein, quand même, tel qu'on sait jamais. T'inquiète. Ok, déjà, c'est bizarre, en vrai, c'est... Oula. Pourquoi il y a une chaise avec une table, là, monsieur? C'est un interrogatoire ou quoi, là? Bah, non, je suis tout seul, là. Ah ouais, vous devez vraiment vous ennuyer, hein, dans votre vie, hein, quand même. Genre, ok, bon, c'est pour ça que vous faites des expériences sur des monstres d'ailleurs, tout ce genre de choses. Bah, j'aime bien faire des expériences aussi, et bon, être tout seul, ça c'est autre chose. Ok. Bon, en tout cas, il est grave bizarre, hein, les abonnés. Bon, bah, du coup, c'est où? C'est là-bas? C'est là-bas, viens. Mais pourquoi il y a une porte blindée ici, C'est quoi ce délire là? Ah, c'est pas pour rien. Mais, laissez la porte ouverte, hein, par contre. On la laisse ouverte. D'accord. Fais gaffe, t'as le cadeau. Wouhou! Wesh, il a refermé la porte! Oh, je vous ai dit de laisser la porte ouverte là! Ouvrez la porte! Mais elle est bien comme ça! What? Regarde, t'as le cadeau! Oula, c'est quoi ça? C'est un Venom ça! Wesh! Il y a des cellules avec des monstres! Attendez, il y a Cartoon Cat ici! Cartoon Cat, il y a Venom, il y a Annabelle, et là c'est la poupée du Squid Game, je crois! La poupée de Squid Game, ouais! Mais what the fuck? Mais pourquoi vous nous ramenez ici là, monsieur? On doit faire quoi là au juste? Là dans le coffre tu trouveras de quoi le torturer un petit peu. Un par un, tu vas pouvoir t'en occuper. Wesh. Ok. Hey, t'as le cadeau, t'es chaud ou pas? Torturer les monstres là? Bah ouais. Ils sont vivants? Bah je sais pas, ils sont vivants les monstres ou pas? Bah heureusement, sinon ça sert à rien. En vrai moi personnellement j'ai bien envie de me venger parce que voilà, les monstres. Wesh. Ok, il y a Cartoon Cat qui est vraiment bien vivant. C'est quoi, attends, ce délire? Je vais aller ouvrir le coffre. Attends. J'ai attaqué Cartoon Cat, tu m'attaques. Ok, attends, il y a une tronçonneuse et tout. Ok, attends, je vais lui mettre un coup de tronçonneuse. Il est où? Regarde. Ok, attends. Ok, c'est bon, attends. Ok, c'est bon. Attends. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, je l'ai tué. What the fuck, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Attendez, on va réouvrir le truc. Attends, viens, t'as le cadeau. On va prendre les trucs qu'il y a dans le coffre, du coup. Ok, hop. Vas-y, bah prends des sauts de lave et tout. Bon, ouais, si on peut les torturer et faire ce qu'on veut, en vrai, on va pas se gêner, hein. Okay, c'est bien. C'est parti. Bon, tu t'occupes duquel, du coup, t'as le cadeau? Du Venom. Vas-y, prends Venom. Ouais, Venom. Nous, on va essayer, du coup, la poupée du Squid Game, les abonnés. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire, vous pensez? On va lui jeter des petites grenades, je pense. Ok, aïe, par contre, je me suis fait mal, là. Ok, mais c'est trop bien, hop. Oh non, je suis tombé dans la cage d'Annabelle. Hop là, c'est cadeau, je te wesh. Attends, je vais essayer de la tronçonner. Ok, hop, mais vous avez ouvert la porte, du coup. Mais ils reviennent à chaque fois? Ouais. Oui. Ok, vous pouvez les torturer à l'infini. Ok, viens, on essaye de noyer un monstre, en vrai. Le Cartoon Cat. Vas-y, essaye de lui mettre de l'eau. Ah, mais je sais pas si on arrivera à le noyer. Ok, je crois qu'il descend là. Ça va être galère, hein. Ouais, ça va être une galère un peu. Hop, attendez, moi je vais essayer de tronçonner Annabelle. Attends, j'arrive, t'as le cadeau, vas-y. Ok, bouge. Ouvrez-lui la porte. Vas-y, sors. Attends, je vais le tronçonner. Ok, c'est bon, les abonnés. Ah ouais, mais la tronçonneuse elle fait grave des dégâts. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Ouais, en vrai, ils sont puissants de ouf. Et en vrai, on devrait peut-être tuer les autres, hein, je pense, parce que on sait jamais. Vas-y, moi je suis chaud. Attends, d'abord la poupée. Attends, je vais tronçonner la poupée vite fait. Ok.
Hop. Bah attends, viens, on lui jette des grenades et tout. What? Wesh, ok, c'est bon. Ouais, je crois qu'elle est morte là, hein, clairement. Je crois aussi. Attends, on va faire pareil pour Annabelle. Oh, ok. Hop. Ah, ça l'a pas tué, le coup de grenade. Par contre, Annabelle, je vais leur jeter un. Ok, c'est bon. Ah ouais, par contre, faut que je fasse gaffe quand même parce que. Hey, je suis sur le en dessous. Ouais. Ok, reste plus que Venom, c'est parti. Ok, viens le but, je vais le tronçonner là. Ok, vas-y, vas-y. Attention, il va bientôt mourir. Ok, voilà. C'est bon, on a tué Venom. Eh bah, franchement. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Wow, c'est Carnage, c'est Carnage. What? Ok, je pense qu'il est venu sauver Venom. Wesh, 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 wesh. Ok, là. What the fuck? Il a un pistolet laser. Attends, je vais lui jeter des grenades. Ok, les abonnés. Ouais, t'as le cadeau, t'as le cadeau, allez dans le coffre-fort. Vous inquiétez pas, j'ai une tronçonneuse. Je vais essayer. What? Ok, c'est parti, les abonnés. Je me fight contre Carnage là. Ok, hop, je vais jeter des grenades dessus. Ok, wow, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Ok, eh, les grenades, contre, c'est vraiment puissant, les abonnés. Ok, c'est bon, vous pouvez sortir. Hop. Il est mort ou pas? Ah, ouais, non, c'est bon, j'ai réussi à le tuer. Il est vivant. Ok, c'est bon. C'est quoi ce délire? C'est quand on a tué le. Attends, mais en fait, je pense que c'est quand on a tué Venom en vrai. Je pense qu'il était venu délivrer Venom. Mais il avait ça, wesh. Ouais, eh, fais gaffe, c'est surpuissant ça. Hein. Oh, punaise. Attends. Oh, mais d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai fait. Eh, franchement, monsieur, vos grenades elles sont super puissantes. Hein. Oh, c'est un truc de ouf. Qui les ai créés. Je vais en garder pour moi d'ailleurs. Bon, bah en tout cas, voilà. Eh, franchement, ça m'a fait flipper à la fin quand même. Mais ce pistolet, wesh, c'est quoi ce délire? Ah, non, mais il est incroyable. Hein. C'est un pistolet laser, clairement. Ouais, eh, attends, t'as le cadeau. Ouais, t'as le cadeau. Ouais. Lui, une petite balle à lui, en gros. Vas-y. What? Mais wesh, il a pas pris les balles. Il prend pas ses balles. Mais c'est quoi ce délire? J'ai un bouclier. What? Vous avez un bouclier? Ok, on aurait peut-être pas dû faire ça tel cas là parce que je crois qu'il va se vénérer du coup. Bon, écoute, Raiden, t'es pas chaud? Tu sais quoi? Ouais, tu sais quoi? On va aller ouvrir la porte là et on va vite partir. Je vais vous arracher les dents. Wesh, c'est quoi ça? What the fuck? Les abonnés, il a sorti un truc bizarre. Ok. Aïe, non. Il m'a mis en feu. Vite, on sort. Ok. Ok, il y a de l'eau là. Hop, vas-y, referme les portes. Vite. Ah ouais, il nous suit encore. Je te booste. Ok, vas-y, booste-moi. Eh, fais gaffe, il est juste derrière. Non, ça me booste pas du tout en fait. Ça me booste pas. Il est encore derrière. Ok, il est juste là. What the fuck. Je vais me noyer. Non, je vais me noyer. Non, les abonnés. Non. J'ai vu que la moitié de la vie. Ok, c'est bon, je suis arrivé. Ok, c'est bon, vite. Ok, je monte l'échelle. Ok. Hop. Ok, il est toujours derrière. Hop. Vite, faut qu'on parte. En vrai, il sait pas où j'habite, je crois. Ok, il y a le portique ici. Vas-y, viens, vite. Casse-toi. On y va. Il suit encore ou pas? Je sais pas, casse-toi. Avance. Ok, vite. Avance. What, les abonnés, mais c'est n'importe quoi cette vidéo là. Ok, vite, on va aller se réfugier chez moi du coup. What? Ah ouais, c'est sorti du cœur là. Ah, c'est du fond du cœur. What the fuck? Ok, là, bah, c'est bon, je crois qu'il nous suit plus. Je t'ai pas essayé dessus, mais non, non, c'est bon, tranquille. Moi, je Ah, par contre, en tout cas, là, je suis dans la mise parce que je crois qu'il sait où j'habite. Je sais pas si c'est où t'habites, mais en tout cas, lui, il était chaud. En tout cas, il courait vite hein, quand même. Enfin, il a réussi à nous rattraper, mais. J'ai vu sa tête. Ouais, bon, ok. Bon, en tout cas, voilà. Je pense que je serai dans le caca là bientôt. En tout cas, voilà les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Un grand merci du coup à Talcado, à Arctic et à Soka d'avoir participé à la vidéo. Voilà, leurs chaînes seront en description. Bon, Talcado, je pense que vous le connaissez déjà. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous êtes resté jusque maintenant. Et du coup, voilà, comme Talcado a dit au début de la vidéo, 1500 pouces bleus. On compte sur vous en vrai. Voilà, je pense qu'on est capable, hein, on l'a déjà fait plein de fois. Donc voilà, 1500 pouces bleus. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos avec Talcado ou même Awaris ou Diabolo, je sais pas. Du coup, voilà, c'était Razen. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut.